Bonjour à tous, voilà une toute nouvelle vidéo, mais du coup avant ça je vais faire un petit disclaimer. Tout simplement, bah voilà, je suis très heureux de revenir. Comme vous avez pu le voir, l'année dernière j'avais annoncé un grand retour sur YouTube. Et malheureusement, vous n'avez pas vu d'autres vidéos. Donc c'est pour ça que je vais faire cette petite compile un petit peu à l'ancienne, hein, comme mes vidéos, mes soirées de l'époque. Qui va recompiler un petit peu les quelques musiques, les quelques vidéos que j'ai faites un peu à l'arrache. En fait, tout simplement pour expliquer, c'est que j'ai fait un premier anniversaire, une première animation qui était un anniversaire. Et malgré que les mariés, non, c'était un anniversaire, mais malgré que les clients étaient très contents de l'animation, etc. J'avais pas réussi, on sortait du Covid, j'avais pas réussi à faire danser les gens. Et sur ce, ça m'avait dégoûté un petit peu de faire des vidéos en me disant, bah merde, qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais pas vous montrer des vidéos où il y a personne qui danse. Bref, tout un tas de questions. Donc comme ça, bah, là, je vous le dis directement. Et en plus de ça, malheureusement, c'est que bon, je travaillais avant en discothèque. Cette discothèque avait fermé. J'ai repris le job dans une autre pseudo-discothèque qui était un bar de nuit qui a été transformé plus ou moins en discothèque. L'installation était sympa, par contre, au final, il n'y avait pas la clientèle pour. Et malheureusement, cette expérience a été aussi très mauvaise. Du fait que, bah, vu que les clients venaient plus comme un bar, au niveau de l'animation, on ne pouvait pas réussir à avoir une assez grosse pression, on va dire, de gens qui venaient danser. De toute façon, il n'y avait pas assez de gens par rapport à la taille du bâtiment. Donc, ça faisait vite, assez vite vide. Donc, les gens venaient danser en début de soirée, histoire de s'amuser un petit peu. Puis après, ils repartaient, hein, ils avaient bu leur verre, etc. On va dire qu'à 3h du matin, 4h du matin, on arrêtait la musique alors que normalement, on devait arrêter à 5h. Donc, bah, entre la première mauvaise expérience en Discoville, plus comment dire, cette mauvaise expérience dans le bar, bah, du coup, là-dessus, je me suis retrouvé vraiment avec une grosse, grosse, grosse remise en question. J'avais fait aussi trois autres mariages à côté. Les trois autres mariages se sont très, très bien passés. Même d'ailleurs, vous allez le voir, j'avais commencé à refaire un bout de vlog. Malheureusement, j'avais oublié la carte SD de la caméra. Et donc, du coup, j'avais fait un bout de vlog avec mon téléphone qui était un téléphone Samsung tout pourri. Donc, la qualité, vous allez voir, hein, les rushs sont vraiment très mauvais en termes de qualité. Mais au moins, bon, voilà, vous allez voir un petit peu ce que vous avez loupé l'année dernière. Et on est reparti là, à partir du week-end prochain, bah, du week-end prochain, de ce week-end. J'ai un nouveau mariage. Et petit à petit, on va reprendre les vidéos, on va essayer de retourner sur YouTube, en tout cas de vous faire voir l'évolution. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, n'importe, ça dépend l'heure, et surtout un bon visionnage. Salut à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes enfin en route pour un anniversaire, donc à peu près 70 personnes, hein, c'est un anniversaire de 40 ans. Bah, je suis super content de pouvoir enfin animer une soirée. Donc ça va être la première de l'année. On va voir ce que ça va donner. Vous allez voir le nouveau matériel qui est là, il est chargé, hop, juste ici. Hein. Il y a du bazar, il y a du bazar. Les structures qui vont jusqu'à l'avant, voilà. Il y a de quoi faire. Bref, on roule tranquillement, on a une petite heure de route. Une petite heure de route. Et c'est parti, du coup la vidéo va commencer. J'espère que vous avez liké, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à refaire des retours commentaires. Vous allez voir la sono par rapport aux années 2016, 2015 même. Par rapport à 2016-2015, il y a eu des grands changements. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et c'est parti. Bon voilà, je m'installe tranquillement. Donc là déjà, on a déjà fait les structures ici. Les platines commencent à être mises en place, il ne reste plus que l'ampli à mettre. Pareil, bah, du coup, ici, comme vous le voyez, j'ai mis tout en DMX, j'ai mis des élingues de sécurité, très important maintenant. Tout est attaché, tout est propre. Alors, regardez, vite fait un petit tour de devant. La salle est vraiment belle, hein. Vraiment très belle. Et du coup, par devant, ça nous donne ça. Voilà.
Donc j'ai mis les scans sur le dessus, tout simplement parce qu'au final, comme un con, j'ai acheté des câbles DMX de 50 cm. Et en fait, c'est trop court, donc du coup, j'ai dû faire ça comme ça. Mais ça rend très bien. À la base, je voulais plus les mettre au milieu, en fait. Je voulais plus les mettre au niveau d'ici, au mieux d'en haut. Mais bon, au moins, ça passe. Et surtout pour le niveau des câbles DMX, je suis rentré court, 50 cm, ça passe à ras, quoi. Donc on fait ça comme ça. Et du coup, ici, il y a l'ARJ 850. Ici, je vais remettre une petite table pour le PC avec le DMX et laisser les sessions en mettre. Voilà, voilà. Donc, les deux scans au-dessus, c'est les Tech Barrel de chez Ghost. C'est des vieux scans à lampe là-dessus. Et j'ai des American DJ Mega Tripart profil. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Je suis content de l'installation. J'avais peur au début que les fils étaient un peu trop courts. Et du coup tout est géré en DMX. Hop. Et du coup j'utilise Freestyler. J'ai Freestyler et du coup j'ai quelques modes déjà programmés dessus que j'ai fait. Par exemple, j'ai un mode un petit peu rétro chenillard. J'ai un mode rétro chenillard. Il est en mode lent parce que j'ai pas augmenté la vitesse. Les chenillards, j'ai un mode strobe, j'ai un mode avec les scans, etc. Par exemple, si je veux pour les slows, j'ai une scène pour les slows là. C'est la 8, non, c'est la 7. La scène pour les strobes. La scène pour les strobes, du coup, pour les slows. Ouais. Les scans ici, les scans font des cœurs par terre, quoi. Ouais, attends, moi je sais. Ça, c'est ce que tu dois imiter, donc c'est un animal. Alors, tu mets ça sur l'épaule de ta personne derrière pour qu'elle se retourne. Tu fais le mime. Il s'agit d'un animal. Oui. Ok. Suivant. Oui, c'est l'échauffement. Hein, c'est l'échauffement. Allez, c'est parti. Let's go. Première A. Alors On va taper sur la chaise. Voilà. On va taper sur la chaise. Parce que là, ça y est, les 500 balles de la caution sont passées avec la corbeille. 600. Oh, bah, voilà, encore mieux. Donc, on a eu une première réponse de l'équipe de Pascal, c'est Friends. Oh oui, là on a dit Vous êtes prêts? Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Allez, tout le monde applaudit, s'il vous plaît, on y va. You just gotta ignite.
caméra, à la carte SD de la caméra. Donc là j'ai mis, bon, malheureusement c'est que il n'y avait pas de table de l'autre côté, donc du coup j'ai pris mes trois autres tables pour ma régie. En gros ici je fais une petite animation avec, comment dire, des vinyles, les gens peuvent choisir leur vinyle. Avec la petite enceinte Bluetooth, qui n'est pas à fond, hein, juste un petit son musical. Les gens s'amusent à l'intérieur. Du coup, il n'y a pas beaucoup de place, mais du coup il y a la Célestion ici. J'ai mis du coup un seul totem avec tous les scans dessus. La petite régie, comme je disais, du coup j'ai mis deux autres tables ici parce qu'il n'y avait pas de table. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a été la petite compilation de 2021. Bon, il manque quelques petites vidéos et tout. Par exemple, comme je vous dis, j'ai fait 4 animations et il y a certaines animations où c'est des stories, j'arrive pas à récupérer les stories de ma page ou autre. Bref, voilà, c'est fini pour le moment. Et on va refaire du coup des nouvelles vidéos. Donc demain, ça va être un mariage. Je vais sûrement refaire aussi quelques vidéos de la discothèque là où je mixe, hein, si ça vous intéresse. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut !